Luc chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 1er. Et il leur proposa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher en disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait personne. Et dans la même ville, il y avait aussi une veuve qui venait souvent lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse, ou encore venge-moi de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais après cela, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte personne, néanmoins parce que cette veuve me donne de la peine, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne sans cesse me casser la tête. » Et le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit le juge injuste. » Et Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus, ou encore Dieu ne vengerait-il pas ses élus, qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il use de patience avant d'intervenir pour eux, ou encore, même s'il est lent à la colère. Amen. Chacun de nous attend forcément quelque chose de la part du Seigneur. Tous, n'est-ce pas? Et si l'on est sincère, on reconnaîtrait que c'est difficile parfois. Parce que souvent, la réponse ou les réponses tardent à venir. Et l'on se pose des questions. Croyez-moi, même si tu es le plus grand serviteur de Dieu, comme Jean-Baptiste l'a été, mais lui-même aussi dans sa prison, Jean, va envoyer ses disciples auprès du Seigneur pour lui dire, « Es-tu celui que nous attendions ou il faudrait que nous attendions quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est toi ou pas ? » Parce que Jean aussi était dans l'impatience. Il était perplexe en prison. Pourtant, c'était l'homme le plus grand devant Dieu et devant les hommes. Le plus grand prophète de tout le temps. Lui aussi a connu ce moment de difficulté, de doute, de questionnement. Oui. Il s'est posé des questions. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je prêchais ta parole avec foi. J'ai annoncé ton évangile. Je t'ai présenté à la nation juive. Je me retrouve en prison à cause de toi. Je n'ai rien demandé. C'est à cause de toi qu'on m'insulte. À cause de toi, Hérodias, la femme d'Hérode, m'a fait enfermer à cause de toi. Et là, j'entends, je dis à mes disciples que c'est toi qui vas nous guérir, nous libérer, nous délivrer. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Mais j'apprends que non, tu annonces que tu vas partir. Seigneur, est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre doit venir? Dis-moi. Il n'y avait pas que Jean-Baptiste. Il y avait Jérémie également, le prophète. Dans Jérémie 12, il va même dire au Seigneur, si je conteste avec toi, ou si je plaide avec toi, certes, tu sortiras vainqueur.
Mais néanmoins, je voudrais te poser une question. Pourquoi les impies sont-ils prospères? Ils font le mal, ils volent, ils violent, pourtant ils sont heureux. Ils sont heureux et moi je te sers et je me retrouve avec beaucoup de problèmes et tu m'as promis des choses et je ne le vois pas s'accomplir. Il n'y avait pas que Jérémie, il y avait aussi les enfants ou les fils d'Azaph dans Psaume 73. Il disait qu'ils ne comprenaient pas justement ce qui leur arrivait. Il disait, en observant, après avoir observé les inconvertis, non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, il faut laisser, pas de problème. À moins que vous ne partiez. Ah, ok. Sinon, ne dérange pas. Après avoir observé les inconvertis, les fils d'Azaph se sont aperçus que ces gens, ces inconvertis, paraissaient heureux. Et ils ont commencé effectivement à sortir de la voie du Seigneur. Et à un moment donné, ils se sont ressaisis en se disant, non, si on sort de la voie du Seigneur, on va trahir la race des justes. Et ils se sont dit, ils ont compris en fait que Dieu permet aux nations, aux païens, de monter très très haut pour qu'ils tombent bien bas, de haut en bas, bien comme il faut. Il y a eu aussi Job, dans Job 21. Job disait, mais en regardant les gens de ce monde, ils paraissent heureux. Qui a l'impression que les gens du monde sont plus heureux que lui? Je dis, qui a l'impression? Alléluia. Donc, c'est une impression que l'on a, mais elle n'est pas vraie, bien sûr. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, honnêtement, qui attend quelque chose de la part du Seigneur? Tout le monde. Hein? Il y en a, c'est la guérison. D'autres, c'est la conversion d'un membre de leur famille. Hein? Tous, tels que nous sommes là. Quand nous prions, parfois nous pleurons. Seigneur, tu m'as abandonné. Qui a déjà dit ça au Seigneur? Seigneur, tu ne me parles plus. Je n'ai plus de songes que j'avais avant. C'est qui? Plus de vision. Ah, je n'en peux plus. Si cela ne t'est jamais arrivé, t'inquiète pas, ça va venir. T'inquiète pas. Alléluia. Vous savez, quand on est dans le Seigneur, quand on est bébé, certaines choses, Dieu nous les épargne un peu. Mais avec le temps, là, oulolololo. Et le Seigneur se sert de cette histoire-là. Et il va choisir une veuve. Déjà, les veuves d'aujourd'hui, en général, sont méprisées. Vous voyez, non? Et alors, imaginez, 2000 ans avant, elles étaient encore plus négligées. Généralement, elles étaient pauvres. Enfin, c'était plus les hommes qui travaillaient. Donc cette veuve était pauvre, certainement, avec beaucoup de problèmes. Et elle avait des problèmes avec beaucoup de gens. Et elle allait voir des gens, des hommes, pour avoir la solution à ce problème. Mais personne ne l'aidait. Et elle a appris qu'il y avait un juge quelque part. Elle s'est dit, certainement, cet homme est juste parce qu'il est juge. Alors, tous les jours, nous dit la parole, cette veuve allait voir ce juge en lui disant, venge-moi, défends ma cause. Je viens te voir, je veux t'exposer mon problème. Et tous les jours, elle exposait ses problèmes à cet homme, à ce juge, tous les jours. Et la Bible dit que ce juge était injuste. Vous avez vu, non? Juge injuste. C'est terrible, ça. Comment un juge peut-il être injuste? Il est censé être juste. Mais il était injuste. C'est-à-dire, quand les gens venaient
avec des problèmes pour plaider leur cause, tout ça, pour se plaindre de ce qu'ils vivaient, de ce qu'ils subissaient, eh bien, ils ne les écoutaient pas. Et j'imagine qu'on pouvait facilement le soudoyer. Vous voyez, non? Il recevait des pots de vin, certainement. Parce qu'on nous dit qu'il était injuste. Donc on peut tout imaginer. Et cette femme, veuve, se dit, moi, je ne lâche pas l'affaire. Injuste ou pas, mais tu verras que je suis tenace. Frère, tous les jours, allez voir ce monsieur-là. Défends ma cause. Le gars dit, non. Il prend 100 euros quelque part dans la poche. Le lendemain, elle revient. Défends-moi. La partie de la femme vient. 200 euros. Troisième jour, défends ma cause. Elle a cassé la tête de ce monsieur pendant je ne sais pas combien de temps. Le gars se dit, bon, quoique je ne craigne pas Dieu, il reconnaît quand même qu'il ne craignait pas Dieu. Je veux dire à quelqu'un ici, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui sont même sorciers. Mais parce que toi, tu plies toujours tes genoux devant le Seigneur pour ta cause, ces hommes-là, ces gens-là, ils viendront restituer ce qu'ils ont volé. Dieu veut encourager quelqu'un cette nuit. Je vous dis. Frères, sœurs, je parle aux vrais enfants de Dieu. C'est-à-dire que tu peux prier pendant des années et si tu ne crains pas Dieu, tu ne seras jamais exaucé. Jamais. La prière fonctionne. Dis à ton voisin, la prière fonctionne. Ah oui. Il ne faut jamais se relâcher. Quand ça commence à devenir compliqué, c'est là qu'il faut prier encore. La femme dit, je ne veux pas lâcher cet homme. Il était injuste, cet homme. La femme insiste, insiste, insiste. En fait, le Seigneur veut nous enseigner sur la persévérance. Jesus Christ. Elle était veuve, elle était pauvre, mais elle avait une richesse que beaucoup n'avaient pas. La persévérance. Pour être persévérant, il faut que tu aies une vision. Ben oui. Regardez, si ma vision, c'est cette Bible-là. Imaginez, je suis ici. Donc, il y a une distance qui me sépare de la parole de la Bible. Et tout au long de ce chemin-là, il y a, n'est-ce pas, des obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles dans notre vie. Ce que tu vois, les choses que tu vois peuvent te décourager. Mais ne vois pas ces choses-là comme les hommes voient. Dieu envoie les Hébreux pour libérer, pour, n'est-ce pas, espionner le pays de Canaan. Ils sont partis à 12. Hein? Ils arrivent là-bas. Dieu, parfois, a de l'humour. Hein? Josué n'a pas choisi les grandes tailles. Il a pris des gens petits comme nous autres. Pour qu'ils aillent explorer le pays de géants. En fait, on comprend que Josué était petit. Hein? C'est comme ça qu'on comprend les choses. Il était petit de taille. Hein? Josué arrive comme ça, 1m50. Ils arrivent à Canaan, ils voient les Anakim, 2m50. Ah! Bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes des visiteurs. Imagine les autres qui commencent à trembler déjà comme yo, 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 yo. Que ce pays que Dieu nous a donné. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu ne va pas vous donner des choses faciles. Il mettra devant vous des choses difficiles. Et humainement parlant, c'est impossible de les atteindre. Impossible. Parce que si tu arrives à faire ces choses facilement, c'est que c'est toi qui fais. Ils arrivent devant les géants, ils regardent les géants, ils se regardent, ils se disent eux-mêmes, nous sommes des sauterelles. Qui t'a dit que tu es une sauterelle? Voilà un homme avec deux jambes et il se croit, il prend pour une sauterelle, mais va dans l'eau. Dieu n'envoie pas de sauterelles. Alléluia! Dis à ton voisin, fausse information.
Quoi? Ils reviennent découragés, abattus. Ah, c'est fini. On leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, non, laisse tomber. Dieu s'est trompé de pays. Il nous a donné un pays compliqué. Josué, retournons en Égypte, frère. Il y en a beaucoup qui veulent repartir déjà quand on était en Égypte. C'était facile. Dieu veut encourager quelqu'un. Je suis convaincu de ça. Parce que ce matin, quand je lisais ce passage, ça m'a encouragé ce passage. Je vous dis. Ah, depuis que je suis converti, c'est compliqué. Ma vie est compliquée. Regarde, les autres avancent, tout ça. Moi, je tourne en rond, tout ça. Ah, je ne comprends pas, Seigneur, tout ça. Tu es à l'école. Le Seigneur est en train de te tailler. Hein? Maintenant, si toi, tu ne pries plus, mais tu vas perdre toutes ces années de sanctification. Ben oui, c'est trop facile. Tu vois, non? Dieu vient, il dit, Moïse, oui, viens ici. Va libérer mon peuple. Moïse dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment? Pharaon a l'armée la plus puissante au monde. Hein? Je connais Pharaon parce que je suis né là-bas. J'ai grandi là-dedans. Hein? Je connais aussi les magiciens qui sont autour de lui. Ils sont dangereux. Ils peuvent transformer des choses en serpents. Moïse a vu ça. Parce qu'on nous dit qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est-à-dire dans la sorcellerie et égyptienne. Moïse avait été éduqué dans la sorcellerie. Parce que la sagesse égyptienne, ce n'est pas celle de Dieu. C'est la sorcellerie. On est d'accord, hein? Voilà. Et Dieu dit à Moïse, va là-bas, retourne là-bas. Moïse avait quel âge? 80 ans. Le gars était fatigué un peu, sur le plan humain. Dieu envoie un vieillard. Et Moïse dit, avec quelle arme? Quelle arme? Dieu dit, tu as quoi dans ta main? Un bâton. Il dit, ça c'est pour les brebis. Il dit, oui. C'est pour les brebis, mais aussi là-bas, il y a des brebis. Dieu veut parler à quelqu'un ce soir. Alléluia! Alléluia! Dieu dit à Moïse, prends ton bâton. Avec ton bâton, va libérer mon... Mais as-tu déjà vu quelqu'un libérer un pays avec un bâton? En face de bazooka, Kalachnikov. Moïse dit, mais c'est compliqué tout ça là. Alléluia. La prière, la foi, la persévérance. Moïse repart en Égypte. Il rassemble les Hébreux. Venez mon peuple. Tout le monde était là à la joie parce que tout le monde voulait la libération, non? On lui pose la question, alors avec quoi on va nous libérer? T'as les armes, t'as l'armée? Non, non, non. Je suis tout seul avec mon grand frère. Le barbu, oui. Il est fatigué, toi t'as 80 ans, lui il a 90 ans au moins. Là. Fatigué, c'est comment? Avec quelle arme? Pharaon est chargé avec des chariots, tout ça, là. Toi t'as quoi? Il dit, le bâton, là. Il dit, c'est quoi le bâton, là? C'est quoi le bâton? Un bâton. L'humour du Seigneur, tu vois, non? La persévérance. Les gars, ils ont prié pendant 430 ans pour être libérés. 430 ans. Et Dieu envoie un libérateur avec un bâton. Ne néglige pas celui qui est en face de toi. Ne néglige pas, frère, sœur, la parole que Dieu t'a donnée. Moïse jette le bâton, là. Le bâton commence à agir. L'humour du Seigneur. Il prend les choses à ville. Oh, Jesus Christ. Il se sert d'une veuve fatiguée. Pour aller obliger un juge injuste à lui rendre justice. Je veux dire à quelqu'un ici, pour ton pays, la CPI, là, qui est un tribunal injuste, va juger les auteurs des massacres de ce pays-là. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Dieu va les obliger. C'est un message prophétique. Ton pays est comme cette veuve. La veuve pleure. Aucun juge ne veut lui rendre justice. Mais n'abandonne pas la prière. Dieu ne délaisse jamais ses enfants-là. On peut l'acclamer, frère, il mérite la gloire. Oui.
Ce message-là, tu peux le prendre pour toi personnellement, tu peux le prendre pour ta nation, tu peux le saisir par la foi pour ta nation. Ta nation subit des injustices. Les veuves là-bas sont massacrées, les enfants massacrés, la jeunesse massacrée. Mais Dieu t'a établi toi comme cette veuve-là. Tu parais insignifiant, tu parais petit, tu parais rien. Quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Oh, que personne ne te minimise. Nazareth, Dieu parle à quelqu'un ce soir. Jesus Christ. Il y a eu des femmes méprisées par tout le monde que Dieu a utilisées pour libérer leur pays, leur ville. Il y a eu des hommes que tu as, des lépreux. Jesus. Oh, mon Dieu. Frères, sœurs, le juge a dit, même si je ne crains pas Dieu, même si ces juges de ce monde ne craignent pas Dieu, quoique certains craignent Dieu, mais beaucoup ne craignent pas Dieu. Mais je veux dire à quelqu'un, Dieu va les obliger. Le décret est sorti du ciel. Non. Je veux dire à quelqu'un ici, les autorités, il y en a qui vont venir te chercher pour dire voilà, tiens, ils ne vont plus. Il y en a qui ne vont pas dormir tant qu'ils n'ont pas restitué ce que Dieu t'a donné. Je veux dire à quelqu'un ici, alléluia, les satanistes, enfants de Dieu, qui t'attaquent, toi, continue à craindre Dieu, qui t'insultent, ne t'occupe pas d'eux, bénis-les, mais plie tes genoux toujours, adore Dieu. Oh, alléluia, Jesus, pour tes enfants, pour ta femme, pour ton mari, ne baisse pas les bras, pour ton père, tant que la personne n'est pas encore morte, il y a la possibilité, tout est possible, même si la personne décédée, Dieu, qui a la puissance de la résurrection, est capable de libérer une parole à Jésus. Il y a quelque chose ici. Ma soeur, mon frère, ne vis pas par rapport à ce que les hommes ont dit. Ne t'arrête plus sur la parole des hommes. Ne t'arrête pas sur les visions des gens. Quand Dieu t'a appelé, il t'a donné aussi une vision. Toi, focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit dans le secret. La promesse qu'il t'a faite, il va la réaliser. Si toi, tu persévères. Jesus Christ. Oh, même si ta barque est secouée, même si tu as l'impression que le Seigneur dort, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Quel que soit le diagnostic des médecins, celui qui a créé ton corps n'a pas dit son dernier mot. Je veux dire à quelqu'un ici, il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il s'appelle le premier et le dernier. Hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah. Je veux te présenter cet homme-là. Tu vois, non? Je veux dire à quelqu'un ici, le juste juge existe. Hallelujah. Je veux dire à quelqu'un ici, tout ce que Satan fait, il ne peut pas le faire sans la validation du Seigneur. Quand tu souffres comme ça, là, c'est que Dieu permet. En tant que juste, il veut t'enseigner la foi, il veut t'enseigner la persévérance et il veut montrer à l'ennemi que tu es son enfant, que c'est toi qui l'as élu, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui l'as mis à part. Dieu le sait. Oh Seigneur, il est vivant le Seigneur. Il n'a pas changé le Seigneur. Il n'a pas changé. Il voit, il entend tes cris. Il entend, il voit tes larmes. Quand tu plies tes genoux pour ta famille, quand tu pleures pour ta nation, quand tu pleures pour ton père, pour ta mère, quand tu pleures pour ta famille, tes frères, Dieu entend. Je veux dire à quelqu'un, la coupe au ciel, devant le trône, ta coupe à toi, dans laquelle tes prières sont versées, cette coupe est presque pleine. Alors, plus la coupe se remplit, plus ta situation devient difficile. Plus tu te fatigues, plus même ton corps s'épuise,
plus Satan te fait croire avec des pensées impures que tu peux céder, que tu peux abandonner, que Dieu t'a oublié, que c'est difficile. Je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Oh, Jesus Christ. Le Seigneur dit, écoutez ce que dit cette personne qui ne craint pas Dieu, qui ne respecte personne. Une veuve l'a fait plier. Elle l'a fait se plier, mes amis. Une veuve. Cette femme n'était pas avec le Seigneur, mais elle a fait plier, n'est-ce pas, un juge injuste. Maintenant, le Seigneur dit, pensez-vous que Dieu n'agirait pas envers ses enfants? Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu. Tu as les promesses de Dieu. Dieu nous a fait, dans la Bible, plus de 6000 promesses. Et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Satan vient, il t'oppresse. Il te met la pression. Tu te décourages. Tu t'affaiblis. C'est difficile. Parce que tu vois comme les hommes voient. Tu entends comme les hommes entendent. Mais celui qui est dans l'esprit ne voit plus comme les hommes voient. Là où les hommes voient l'échec, la mort, lui voit la vie. Tu vois, non? Ah oui. Voyez cet homme qui est venu. Humainement parlant, physiquement, tu ne peux pas prier comme ça là. Mais quand le Seigneur te voit, il te dit, il va marcher bien. Ça va aller. Touche là. Dieu, non. La persévérance. D'ici à là, il y a un parcours semé. Il y a beaucoup d'embûches, de pièges, de tentations, de découragement, des paroles de condamnation, des menaces, des paroles dures. D'ici à là-bas, tu vas entendre des choses, tu vas voir des choses, tu vas toucher des choses. Mais tout dépend, n'est-ce pas, de ta manière de voir la vision, de voir ton objectif. Des gens voudront te décourager. Mais c'est fini pour toi. C'est fini. Un jour, une femme est venue me voir pour la prière. Elle me dit, les médecins m'ont dit que mon fils, elle était enceinte. Au niveau de son cerveau, de sa tête, il y a une ouverture là, une grosse fissure, qu'il va falloir que j'avorte. Elle dit, je crois que Dieu peut guérir mon enfant. Je dis, tu crois ça? Elle dit, oui, je crois. Elle était persévérante. Frère, on a pris un nom de Yeshua. Elle a gardé l'enfant. 9 mois après, elle accouche d'un enfant normal. Cet enfant vit normalement, très intelligent. Une autre fois, une sœur vient, elle dit, les médecins ont dit que mon enfant est triso, mon bébé, dans le ventre. Et il me propose d'avorter. Et moi, je ne veux pas. Je dis, tu vois, tu crois que Dieu peut? Elle dit, je crois. Frères et sœurs, on a prié. L'enfant est né sans problème. Alors, Jésus, on est parti à Orléans en mission. Une sœur était là, enceinte, de 6 mois, à peu près. Elle avait une hémorragie. L'enfant était mort dans le ventre. Elle vient me voir, elle dit, frère, je crois que Dieu peut agir si tu pries. Je dis, tu crois ça? Elle dit, je crois. Frère, on a prié au nom de Yeshua. Instantanément, l'écoulement de sang s'est arrêté. Tout de suite. Elle a senti l'enfant bouger, danser dans le ventre. Non! Frère, sœur, elle a accouché, elle est venue à un programme de réveil à Paris. Elle dit, l'enfant est ressuscité, l'enfant est ressuscité. Elle a accouché, l'enfant a 2 ans. La persévérance. Vous savez, Dieu ne regarde pas à ta taille, à ton origine. Dieu ne regarde pas à ton niveau social. Dieu regarde à la foi que tu as en lui. La détermination. Ne baisse pas les bras. Les gens vont te critiquer, mais ne les écoute pas. Ils vont dire, non, c'est fini. Non, mais toi, tu ne comprends pas, t'es idolâtre. Ne les écoute pas.
Il y a des gens à qui il ne faut pas tendre l'oreille. Il y a des paroles qu'il ne faut jamais entendre. Aujourd'hui, ceux qui me critiquent, sur le, je ne les écoute même plus. On n'a plus le temps. Voyez, il faut que tu aies le regard fixé sur l'homme le plus beau. Tu vois, non? Et Dieu veut se servir de toi pour ça. Il y a des gens qui t'attendent. Et tu sais pourquoi tu souffres? Parce qu'il faut que tu meures pour que d'autres vivent. Je m'explique. Le Seigneur nous a donné la vie. Mais il veut d'abord te tuer toi pour que tu sois un canal par lequel il va passer pour bénir les autres. Tu comprends? Voilà pourquoi il t'amène à la mort. Parce que Dieu n'utilise pas les vivants, mais les morts par rapport au monde. Tu ne vas plus réagir par rapport aux dires des gens. Laisse-les parler. Des gens viennent parfois, frère, les médecins ont dit que c'est fini pour moi. Ils ont dit quoi? Non, c'est fini. Nous sommes condamnés. Ah bon? On va prier. Il y en a qui attendent certainement des prières, je ne sais pas, kilométriques. ils viennent, on leur dit, c'est réglé. Ils te regardent comme ça. Non, il n'y a pas d'huile d'onction là. Quelle huile d'onction? Non, juste ça, c'est réglé. Mais c'est réglé. On est parti au Cameroun. Un homme vient comme ça, avec une boule comme ça, comme une pamplemousse. Une pamplemousse, hein, comme ça, énorme. Il dit, je vais vous la montrer. Non, la montre pas. Je ne suis pas médecin ici. Là. Il y a des choses que je n'aime pas voir. Seul Dieu peut voir ces choses-là. Une boule comme ça. Là. On a prié. Tout de suite, la boule a disparu. Je te dis. On lui a retiré un rein. Il ne buvait pas. Normalement, il a bu. Il a dormi comme un bébé. Le lendemain, il est revenu en bonne santé. Frère, une sœur, elle est née avec un rein malade, un rein tout petit comme ça. L'autre commençait à être un peu affecté. Personne ne l'a touché. La persévérance, elle avait foi en Dieu. Les médecins parlaient, tout ça, foi en Dieu. Tu sais quoi, un jour, en pleine prière, elle a vu quelque chose descendre sur elle. Elle est allée faire des examens, elle a maintenant trois reins. Un ici, un là, et un devant. Alléluia! Non, je veux que tu découvres Jésus-Christ autrement. Jésus ne te demande pas ton argent. Non! Cet évangile, on n'en veut pas. Oh, donner la dîme, c'est du passé. Comme vos bishops ici en Belgique. Il y en a un qui a dit qu'il veut me tuer en Belgique ici. Il veut me tuer. Il va envoyer des voyous, il dit, il va faire de la prison, il va me tuer. Je lui dis qu'il vienne, il n'y a pas de problème. Vous pensez quoi là? Vous pensez qu'on a peur de ça là? Nous, on est morts. Hein? On va venir en Belgique, on va revenir encore. On va aller dans toute l'Europe, là, mes amis. Là. Voilà. On va persévérer. Quelles que soient les menaces là, on ne baissera pas les bras. Il dit non, on va porter plainte. Mais vous pensez quoi là? Porter plainte contre moi. Mais c'est une grâce que vous avez. Vous allez me faire une grâce. Je vais pouvoir, j'aurai l'occasion. J'aurai un pupitre gratuit. J'aurai un public gratuit. Pour dire aux juges comment vous couchez avec les femmes d'autrui. Je suis fou. Quand vous dérangez un fou, quand vous secouez un fou, là, il devient encore plus fou. Je n'ai aucune église à protéger. Je n'ai pas d'oeil à protéger. Rien. Je crie, je casse, on casse tout. Amen. La persévérance. Qui veut être persévérant ici? Ne baisse plus les bras. C'était juste rapide par rapport à la folie. C'est quelque chose que j'ai très peu partagé, mais en fait, donc je suis médecin psychiatre et mon frère au début de ma conversion, il vient me voir
Et lui, il comprend pas du tout ce qui m'arrive. Et il me dit, donc attends, toi, tu es censé soigner des gens qui te disent qu'ils ont vu Jésus. Donc on appelle ça un délire. Toi qui es censé les soigner, tu dis que tu as vu Jésus. Tu es censé les soigner. Attends, c'est... Non, plusieurs fois, il était tellement choqué. J'ai dit, oui, j'ai vu Jésus. Et je l'ai vu plusieurs fois. Et il est vivant. Donc oui, il est vivant. C'est tellement incroyable pour le monde, en fait. C'est parce qu'on est censé soigner ces gens-là qui ont vu Jésus. Moi, des fois, à l'hôpital, je reçois des gens qui disent « J'ai vu Jésus ». Et on les traite de malades. Et on les traite de malades. Mais parce qu'il y en a certains qui perdent pied, en fait, après ça. Donc, voilà, ils perdent pied. Mais à la base, ils ont juste vu le Seigneur, quoi. Mais pour le monde, c'est une maladie. C'est une maladie d'avoir vu le Seigneur. Alors que c'est une grâce, quoi. Le monde est malade. Voilà, le monde est malade. Comme Socrate disait que l'amour est une maladie mentale. Vous vous rendez compte? On est des fous de Jésus. La persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Je profite de cette occasion pour pouvoir encore une fois glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Parce que chaque fois, je connais le frère Chora au début du ministère. C'est ça. Et la première fois que je l'ai vu, j'étais aussi hospitalisé dans un hôpital psychiatrique. J'avais perdu la tête et mon frère est une connaissance du frère. J'avais perdu la tête. Et il m'a emmené un jeune homme, le frère Chora. Ils sont venus chez moi. Et il a prié pour moi. Et il m'a dit, dans 3 jours, je te vois dehors. Et dans 3 jours, j'étais dehors. Et mais durant toutes ces années, je l'ai revu aujourd'hui, il y a après à peu près 10 ans. 10 ans après. Ouais. 10 ans à peu près. Il s'est passé encore beaucoup de temps. J'ai été hospitalisé encore 5 fois. 5 fois hospitalisé en Hollande. Et quand j'ai été hospitalisé, à chaque fois quand je regarde les témoignages de frère Chora, deux fois quand il prêche, il dit, les choses que Dieu fait, si tu ne le témoignes pas, il va te les demander un jour. Et c'est comme quelque chose qui remonte à moi parce que Dieu fait beaucoup de choses en moi et deux fois, je n'ai jamais témoigné chez là. Et en psychiatrie, parce que tu as été psychiatre, et je veux aussi encourager quelqu'un, 5 fois en psychiatrie. La dernière fois que j'ai été hospitalisé en psychiatrie, et, c'était mon jour de jeûne. Je priais, mais ils sont venus me chercher. Ils m'ont dit, toi tu as perdu la tête, et il y avait une psychiatre qui m'a pris avec quelque chose ici. Ils ont appelé le maire. Le maire a pris la décision de m'enfermer. J'ai été enfermé 1 année. Wow. La dernière fois en Hollande, 1 année enfermé. Et l'autre psychiatre avait dit, toi tu pries beaucoup. Alors ce jour-là, j'étais dans la prière, je me disais, Seigneur, peut-être que tu m'as abandonné. Oh, notre Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Le même soir, j'étais, avant d'aller au lit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, toi tu as dit tu n'abandonnes jamais tes enfants. Et j'ai prié, j'ai laissé la nuit entre les mains du Seigneur. Mais au moment où je dormais, je commençais à sentir quelque chose. C'était le feu qui commençait à monter de mes pieds à la tête, le pied à la tête, le pied à la tête, le pied. Ça a pris presque 1 semaine. C'était le pied à la tête et j'ai été enfermé 1 année. Et dans cette année-là, c'était la parole, prière, la parole, prière, la parole, prière, la parole. Et je suis sorti, ça fait maintenant presque 8 ans ou 10 ans. Je ne suis plus rentré voir un psychiatre. C'est pour vous dire, Jésus est fort. Jésus est puissant. Amen. Waouh!
Gloire à Dieu. Amen. Une des premières choses que je fais quand je vois un patient maintenant, c'est que je brise tous les diagnostics qui ont été faits par les médecins avant moi, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Et je brise tous les effets des médicaments, etc. Et je ne peux pas raconter ici tout ce qui m'arrive au cabinet et à l'hôpital, mais c'est juste extraordinaire, les libérations, les délivrances. Dieu agit vraiment dans ces endroits-là. Et voilà, il y a beaucoup de... C'est magnifique. Amen. Waouh. Vous vous rappelez, vous, voilà. C'est l'oncle de Anne. Voilà. C'est beau ce que Dieu fait. Vous savez, il y a des gens, ils sont presque arrivés à la fin, au bout, à terme de leur temps de prière. Ils sont presque arrivés au moment de l'exaucement, là, c'est là qu'ils abandonnent. Parce que les épreuves deviennent intenses. Et c'est là qu'ils cèdent à l'ennemi. Et ils passent à côté. Qui voulait abandonner? Waouh! Jamais. C'est comme cette maison, c'est comme une maison que vous avez construite durant 10 ans de conversion, 5 ans de conversion, et en une seconde, vous allez la renverser comme ça, et c'est trop facile. N'abandonnez jamais. Les épreuves sont proportionnelles à l'appel qu'on a reçu. Plus vous êtes éprouvé, alors que vous craignez Dieu, hein, je parle de ceux et celles qui pleurent alors qu'ils craignent le Seigneur, qui souffrent alors qu'ils craignent le Seigneur. Plus vous souffrez, plus Dieu va se servir de vous. Vous souffrez aujourd'hui parce que Dieu veut toucher, par exemple, 1 million de personnes demain par votre vie. Donc il faut que vous soyez préparés, formés. Et quand vous allez commencer à témoigner du Seigneur, vous aurez une expérience. Et Dieu veut pouvoir se glorifier. Se glorifier en se disant, ça c'est ma fille. Dieu veut pouvoir dire à l'ennemi, tu as vu ma servante? Quel que soit ce qu'elle a vécu, elle n'a pas baissé les bras. Tu lui as envoyé des hommes beaux, des femmes belles, mais elle a refusé. Quelqu'un se moque de toi, dans ta famille, les gens se moquent de toi. Ils te disent, regarde depuis que tu pries, regarde ta vie. Ton Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est comme ça que beaucoup parlent, ton Dieu là. Et toi tu es là, Seigneur, tu entends tout ça. Seigneur, donne-moi l'occasion de pouvoir, Seigneur, te glorifier, témoigner de toi. Et quand plus tu pries comme ça, plus il y a encore des problèmes. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mais je ne prie pas assez ou quoi là? Et tu commences à chercher des méthodes. Ah, il faut peut-être jeûner plusieurs fois par semaine, prier 2 heures par semaine, prier une fois par... Oh, on te dit, non, il faut lire un livre sur la prière. Hein? Il faut parler à la lune, il faut commander, prophète, tu as proclamé, tu as déclaré des paroles. Prends tes psaumes, tu prends le psaume, rien. Avec Dieu, il n'y a pas de méthode. Il t'a mis dans cette école. Tu es dans cette épreuve. Tu es dans le feu. Il t'éprouve. Je veux dire à quelqu'un, Dieu veut te confier de grandes choses. Mais il veut d'abord t'éprouver. Tu es à l'école. L'école de brisement. L'école du rejet. L'école de l'abandon. Tu es abandonné. Incompris. Tu pleures, il n'y a personne à côté. Tu es blessé, ton cœur saigne. Tu cries vers le Seigneur, il n'y a plus de vision, plus de songe. Mais il ne t'a pas pour autant abandonné. Il est à côté, mais tu ne le sens plus comme avant. C'est normal, parce qu'il veut que tu marches par la foi et non par les choses que tu ressens, que tu sens. Non, il est à côté, il est toujours là. Parce que s'il se retirait, l'ennemi te détruirait en une seconde. Mais si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu est à côté. Tu vois, non? Il te façonne, il te taille, il te travaille. Mais toi, ne baisse pas les bras. Persévère, intercède. Je veux dire à quelqu'un, plus tu pries pour cette personne-là, plus tu as l'impression que sa vie
n'est-ce pas, bascule vers le mal. Mais ne laisse pas. Plus tu pries pour cette personne malade dans ta famille, plus tu as l'impression que sa maladie s'aggrave. C'est normal. C'est une épreuve. Si tu t'arrêtes sur sa maladie, tu ne verras plus la grandeur de Dieu. Mais si tu te focalises sur Dieu, tu verras cette maladie petite comme ça dans le nom de Yeshua. Alléluia, Jesus Christ, alléluia. Tu sais pourquoi tu souffres? Parce que quand Dieu va agir, tu vas aller le glorifier partout. Donc Dieu prépare ton témoignage. Tu vois, non? La persévérance. On te dit, non, t'es qu'une femme, une jeune femme, tais-toi. Mais pourtant, c'est toi que Dieu a appelé. T'as vu, non? Il t'a choisi, toi, dans ta famille. Il t'a mis à part. Tu vois? Plusieurs fois, tu as failli abandonner. Tu te réveilles pour la prière, tu es fatigué. Tu te recouches. Tu prends la Bible pour lire. Ah, tu t'endors, tu es fatigué. Tu pleures. À peine que tu commences à prier, tu pleures, tu gémis. Seigneur, où es-tu? Tu m'as dit telle chose. La persévérance. Oui. Oh. Tu te retrouves seul avec une grande charge. Avec beaucoup de responsabilités. Je parle à quelqu'un. Et tu regardes autour de toi, Seigneur, que se passe? Ma mère, tu te retrouves jeune en train de gérer de grandes responsabilités. Tu te retrouves seul, là, dans un pays, grand pays, et seul. Tu dois te retrouver. Tu ne sais pas par où commencer. Tout paraît difficile. Non, le Père ne t'a pas abandonné. Le Père t'a mis dans une épreuve, dans un désert. Il est en train de t'enseigner sur la grandeur selon Dieu, sur la persévérance. Parce que tu as demandé au Seigneur de te révéler sa gloire. Tu as prié le Seigneur pour qu'il se révèle comme un père. Mais le père veut que tu sois sa fille. Mais une fille doit être éduquée, doit être disciplinée, doit être enseignée, doit être préparée. Comme cette veuve-là. Persévère! Tu vois? Dieu veut que nous ayons la foi. Et à la fin, il dira, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Avant l'enlèvement, Dieu veut susciter des hommes et des femmes de foi. Pas des hommes et des femmes qui parlent tout le temps, mais des hommes et des femmes, quand ils parlent une seule fois, on sent que Dieu est là. Ils ne parlent pas pour parler. Ils parlent parce que Dieu leur met quelque chose à cœur et quand ils le font, on sent, on voit, on vit Dieu. Et c'est toi que Dieu prépare. Si tu t'arrêtes sur les hommes, si tu veux que les hommes te soutiennent, tu vas sortir de la vision du Seigneur. Dieu t'a-t-il donné une vision? Attends-toi à lui et à lui seul. C'est lui qui va convaincre les cœurs. Ne fatigue pas les hommes. Tu comprends? Frère, sœur, comment je fais? 26 ans et demi, aucun médecin, comment je fais? Aucun. Comment je fais? Comment je fais? Je suis comme toi. Il faut que tu aies foi comme un fou. Tu crois Dieu, c'est tout. Tu comprends? Dieu dit, tu dis Amen. Je crois, toi qui crois en Dieu, je crois qu'aujourd'hui même, cette situation dans laquelle tu es, cette condamnation dans laquelle on t'a mis, je proclame le brisement de cette parole qui te lie au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Je proclame cela. Tu vois, non? Il y a quelqu'un ici. Par ta persévérance, Dieu veut libérer toute ta famille. Tu ne te rends même pas compte. Tu vois? Voilà pourquoi tu souffres. Parce que depuis des générations, tes ancêtres ont fait des alliances avec Satan. Et c'est dans ta génération que Dieu est venu te chercher, toi. C'est dans cette génération que Dieu t'a suscité. Tu vois? Et dans ta famille, il y a beaucoup d'incrédulité. La porno, le sexe, le péché, la confusion. Et c'est toi que Dieu a choisi. Tu vois? Et tu as ce fardeau, cette charge. Tu dis, mais Seigneur, c'est grand. Je ne peux pas apporter cela. Dieu dit si. Si. Jesus Christ.
tu vas plus parler devant Dieu que devant les hommes. Je parle à quelqu'un ici. Et quand tu vas parler devant les hommes, tu vas voir des choses qui vont s'opérer. Tu vas être plus à genoux devant Dieu. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir tenir droit devant les hommes. Tu vois, non? C'est ce que Dieu fait avec toi. Tu es plus à genoux devant lui et plus debout devant les hommes. Et toi, femme, c'est toi que Dieu prépare. C'est toi que Dieu prépare. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu parles, toi, mon frère. Parle. Non, pas du tout. Les gens te critiquent. Ne parle pas, ne réponds pas. Ne parle pas trop parce qu'ils te critiquent. Ne réponds plus. Comme nous, on faisait avant, on faisait l'erreur de répondre. Dieu ne parle plus. C'est un homme de Dieu, une femme de Dieu brisée, quand il ouvre la bouche, c'est pour apporter la guérison. Et voilà pourquoi Dieu te prépare, pour que quand tu vas parler dans ta famille, que la guérison s'opère, que la libération s'opère, que les choses s'opèrent. Et quand tu auras des réunions de famille et qu'il faut prendre des décisions, c'est toi qui seras consulté. Parce qu'ils vont voir en toi la sagesse de Dieu. Parce que tu persévères. Quand tout le monde va abandonner, toi tu n'abandonnes pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jesus. Même si tout le monde tombe, toi tu ne tomberas pas. Je parle à quelqu'un ici. Même si tout le monde abandonne, tout le monde n'est pas obligé de tomber. Non. Il y a des gens qui ne tomberont pas. Vous savez pourquoi? Ils sont comme Paul, comme Pierre, comme Élie, des hommes et des femmes qui sont déterminés, qui ont été visités par le Seigneur, visités. Ils savent ce qu'ils veulent. On peut les attaquer, on peut les insulter, quelle que soit leur jeunesse, leur âge, leur taille. Ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est toi. Ce sont ces gens-là que Dieu a attirés ici. Il y en a, ils ne sont pas là, ils sont chez eux. Mais Dieu veut les oindre. Oui. Tu sais quoi? Dieu dit à quelqu'un ici, je t'ai établi dans ta famille pour déranger. Il t'a fait naître dans cette famille pour que tu déranges. Tu déranges, tu vas continuer à déranger. Même quand tu ne parles pas, tu déranges. Même quand tu ne dis rien, tu déranges. Ta présence, tu sais pourquoi? Parce que tu as la main de Dieu sur toi. Alléluia. Il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose. Tu dis toujours pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et c'est normal. Les satanistes se sont mal barrés dans ta famille. Les sorciers ne tiennent pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu persévères. Et parce que tu persévères, Dieu protège ta famille. Protège les enfants. Garde, oh Jesus Christ. Ton père aurait pu mourir par la magie, par la sorcellerie dans son travail. Des gens ont fait la sorcellerie contre lui pour le tuer. Mais Dieu n'a pas voulu. Cette crise aurait pu l'emporter. Mais c'est parce que Dieu t'a établi dans ta famille, parce que tu persévères dans la louange, dans l'adoration, que Dieu a gardé ton père. Il y a des choses qui arrivent ici. Tu vas comprendre que par ta persévérance, ta famille est protégée. Tu vas comprendre ça. Ils ont fait des réunions pour que tu meures. Ils ont fait des réunions pour ne plus que tu pries avant. Comme quand tu pries avant, pour te décourager. Mais à partir d'aujourd'hui, Dieu renouvelle aujourd'hui même ta vie de prière comme avant. Il renouvelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une sentinelle. La nuit, tu veilles. Tu veilles. Tu veilles. Tu veilles. Tu veilles, sentinelle. Tu veilles. Tu veilles. Tu veilles. Tu veilles. Tu veilles. Tu veilles. Comme Moïse, tu seras dans l'intercession. Dans l'intercession. Reviens à la prière. Reviens devant le Seigneur. Reviens au pied du Seigneur. Revenons au pied du Maître. Revenons. Assis. Oh. Jesus Christ.
Jesus Christ. Ça va aller.